Tourisme Baie des Chaleurs présente Coup de Chaleur. Ici Marc-Olivier Audet de Tourisme Baie des Chaleurs, le média officiel du Festival d'été de Québec à New Richmond. On est à la place L'Auto-Québec à l'Hôtel de Ville de New Richmond sur la scène alternative. Je suis en compagnie du seul artiste qui a été là dans les deux éditions du Festival d'été de New Richmond. On le surnomme le porte-bonheur du festival de la bande à Firmin et de Bottines et Racines, Éric Dion. Parle-nous de la scène alternative où vous avez joué devant beaucoup de gens. C'est le fun, c'est une initiative locale. C'est le conseil municipal avec Dominique Gauthier, qui est directeur de la salle, qui ont décidé de faire une scène extérieure comme ça, puis de présenter des gens de la région qui font de la musique professionnellement, de pouvoir leur laisser la chance de se faire voir par des gens d'ici, mais aussi de l'extérieur. C'est bien le fun, on a joué après-midi, le soleil est sorti, puis on est bien contents. Et vous rejouez également demain samedi, si les gens veulent venir nous voir, à quelle heure? On joue à 13h, c'est avec Rock Harvey. OK. Et après ça, à 13h45, c'est la bande à Firmin. Ça va être, on va faire toutes les chansons de notre prochain album qui va sortir le 3 novembre, qui s'appelle Bottines et Racines. OK. Et nous, tu le sais pas encore, mais on va faire un concours Facebook. Les gens vont pouvoir gagner un album de la bande à Firmin ou de Bottines et Racines? La bande à Firmin. La bande à Firmin. Yes. Mon entre amis, je savais que ça allait être en heureux, c'est pour ça que je te le dis. Éric Dion, merci beaucoup. Mon spectacle demain. Ben, merci à toi. On vous attend en grand nombre demain, le 23 juillet, sur la scène extérieure du Festival d'été de Québec à New Richmond. Ici Marc-Olivier Audet qui vous dit, c'est ma toune!